5 décembre 2017, Laetitia Hallyday devenait veuve suite à la mort de Johnny. Le rocker a laissé derrière lui une famille et des milliers de... Depuis, la jolie blonde a tenté de se reconstruire. Il faut dire que ce doit être une épreuve extrêmement difficile que de perdre l'amour de sa vie, surtout après avoir passé des années en... Mais Laetitia a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balland, qui a fait battre son cœur durant quelques mois. Après leur séparation, elle s'est rapidement remise en couple avec Jalil Lesper, qui vient d'ailleurs tout juste de la rejoindre à Saint-Barthélemy pour profiter des joies de l'île loin des restrictions. Laetitia a également un pied à terre à Los Angeles où elle a vécu avec Johnny. Elle vient tout juste de mettre en vente sa sublime demeure de Pacific Palisades, construite il y a 10 ans par Johnny. Le 21 février prochain, Laetitia conclura cette vente qui s'élève à 15 millions. Un événement difficile pour Laetitia et ses filles, mais la veuve n'a pas eu d'autre choix pour éponger les dettes fiscales laissées par son défunt mari. La rédac à lire aussi: je ne connais plus cet homme. Les propos cinglants de Sonia Roland contre Jalil Lesper et Laetitia Hallyday, Johnny Hallyday. Cette décision radicale est très significative d'un ami depuis...